Salut les amis! Aujourd'hui, je pars à la recherche de trois ouvrages bétonnés allemands de la Première Guerre mondiale. Ils servaient comme Minenwerfer, donc pour mortier de montagne. Ils sont faits en béton et je les avais déjà visités il y a assez longtemps. Ici, c'est très glissant, je vais faire doucement, je suis déjà tombé quelques fois. Vous voyez que la pente est très abrupte. On est dans le massif des Vosges. Ici, les Français et Allemands se partageaient, en tout cas se disputaient le sommet. Et les Allemands ont construit plein de galeries sur leur versant. Et aussi des ouvrages pour tirer avec les mortiers. Allez, on va essayer de retrouver ces trois ouvrages. À chaque fois, là, on voit des crevasses dans la montagne. Et des grandes haldes de pierre qui dégringolent, donc c'est le signe souvent qu'il y a une galerie toute proche. Ici on voit qu'il y avait quelque chose et ça a l'air effondré. On voit qu'il reste du bois. Par là on passera plus. Et souvent les racines préservent juste une petite entrée. Les racines des arbres. Alors, est-ce qu'on a quelque chose là? Je passerai pas. Ah ouais. Je sais pas si on arrive bien à voir au fond. Mais ça descend. Et c'est boisé. Les côtés du tunnel sont en bois. Donc ici, il y avait des caches, des galeries qui se rejoignaient les unes des autres. Ah ça y est, j'arrive sur le premier ouvrage. Ah j'y suis. Ah là j'y suis. Ouvrage numéro 1. Minenwerfer. On voit cette forme caractéristique. Forme d'œuf au-dessus, une entrée. Ça va être un morceau de poêle à bois, ça. Et là était placé le canon. Ici tout est effondré, mais on va un peu mieux voir d'en haut peut-être. Là il y a des niches aussi à munitions. Est-ce qu'il en reste en bois? Là c'est en béton. Et là il y avait une galerie. Et l'entrée est tombée, s'est effondrée. C'est dommage. Et là. Il n'y a plus moyen d'accéder, hein. C'est fini. Je vais essayer de monter comme ça, on se rendra mieux compte de la taille de l'ouvrage. Et là on voit un retour en béton là qui revient comme ça. C'était pour protéger le canon, le mortier qui était placé juste en dessous là, sur une plaque en acier. Et le mortier tirait comme ça. Donc il longeait en hauteur un petit peu la pente pour atteindre les lignes françaises qui étaient de l'autre côté. Soit au sommet ou juste derrière. Ce qui permettait un tir en cloche. Donc pour les Français, pour effectuer un tir de contre-batterie, là c'était très compliqué. Il fallait viser entre ici et là pour pouvoir neutraliser le Minenwerfer. Donc c'était quasi mission impossible. Et là, y a des fouilles sûrement. Et on voit des restes de fusées françaises, de mortiers de 58 mm. Ça risque rien puisque c'est le cul. Qui était posé
dans le mortier et c'était propulsé comme ça. Donc les Allemands recevaient également des obus tirés de mortiers français. Bon voilà, je vais essayer de redescendre sans me gaufrer. Je vais passer par là, c'est le plus prudent. Et on part à la recherche du deuxième Minenwerfer. C'était pas une bonne idée. Bon, je suis encore tombé quelques fois là, j'espère finir en un seul morceau. C'est très glissant et puis j'ai pas pris les meilleures chaussures. Et là j'arrive sur le deuxième ouvrage qui est derrière cet arbre couché. Bien sûr, ce serait trop simple. Bon. Il est juste là. Il y a un arbre qui est tombé dessus. On va aussi le contourner par le haut. Allez, je vous emmène. Alors ici aussi, on voit que ça a raviné, que c'est tombé. Et là, il devait aussi avoir une galerie, hein, juste là, pour se mettre à l'abri en cas de bombardement ou bien pour mettre des munitions. C'est une zone assez dangereuse, hein. Il y a pas mal de barbelés, de queues de cochon qui traînent. Ou encore ce barbelé d'époque qui tient le coup avec ses 100 ans. Et là, pareil, mais celui-là, il est en assez mauvais état, ce Minen. On voit encore cette partie en béton qui dépasse. Et là, des grosses ferrailles. Et là, on a un éclat d'obus. On voit encore le filetage là, de la fusée. Allez, on part à la recherche du troisième. Il ne doit pas être très loin, il est sur la même ligne, de toute façon. Alors enfin, il est là, le troisième. Il était bien caché, celui-là. C'est le mieux conservé, je pense. Encore là, le résultat de fouille. On voit des restes d'obus, de crapouillots français, avec les ailes là, qui étaient au cul de la fusée. On voit qu'il y avait une porte là. Il reste la rondelle, tiens. On voit la ferraille là qui servait à renforcer le rebord et qui a pété depuis.
Là, pareil, c'est bouché malheureusement. Il y avait une galerie. C'est marrant, il y a même des supports. Là, je me demande quoi ça pouvait servir. Il y a les têtes de la tôle, du bois pour protéger des intempéries. On voit le travail de coffrage hein, là, au plafond, avec des petites lattes à toit comme ça pour faire cette belle forme. Et toujours là, c'est une niche à munitions. Il y en a une deuxième là-bas. Il est assez massif, hein, il est bien, bien foutu. Et on voit les redans là, en béton, qui sont là, pour protéger en partie d'un tir direct. Allez, on continue à explorer le secteur. Alors typiquement, ce genre de pente et d'amas de pierre, cette halde, ça veut clairement dire que normalement en haut, on a une galerie qui a été creusée. Mais bon, c'est pas trop praticable. Allez, c'est parti. Wow. Wow, c'est magique là. Avec les stalactites, c'est incroyable. Incroyable.
Exceptionnelle cette galerie. Magnifique. Elle est encore finalement bien conservée. Pour ses 100 ans, un peu plus même. Là c'était un peu chaud, il fallait pas, surtout pas toucher les bords. Comme d'hab, on voit ce beau travail de boiserie. Avec les quatre côtés, avec le sol, les murs et le plafond qui est boisé. Avec le chapeau en haut, la pile, le sol, à chaque fois avec des encoches. C'était comme un Mikado. Ils assemblaient ça et là ça doit faire 2 mètres de haut parce que moi je touche presque le plafond avec mes 1,93 m. Donc c'est finalement assez spacieux. J'en ai vu d'autres. J'ai l'impression qu'elles étaient moins hautes. Et là on voit que c'est complètement dans l'eau. C'est super humide. Alors l'humidité a un mérite, c'est que si ça reste immergé, ça conserve le bois. Mais après, on le voit sur les côtés que ça tient plus non plus sur grand chose quoi. Et donc ils creusaient plus gros. Ces pionniers là, ils creuseraient plus gros et ils assemblaient ce boisage au fur et à mesure qu'ils avançaient. Et terminaient avec en mettant les gravats au-dessus de la pile pour que ce soit bien. Oula. Voilà que c'est bien inondé. On va le voir là. Ici, voyez, ils essaient de remplir au max pour que ça fasse un tout et que en cas de vibration, et ben, il n'y ait pas de chute de pierre sur le bois puisque c'est déjà entièrement compressé les pierres les unes contre les autres. Et alors, c'est marrant parce qu'à l'entrée, au fond, on doit avoir 8-10 degrés. Dehors il doit faire 0 à peu près là aujourd'hui. On voit ces stalactites, parce qu'il y a un courant d'air, hein, donc l'air est tout à fait respirable, il n'y a pas de problème ici. Et avec ce courant d'air froid qui parcourt la galerie, ben, on a ces magnifiques stalactites qui tombent là du plafond. Et quelques stalagmites qui commencent à sortir du sol là-bas. C'est unique de voir ça, c'est vraiment à certaines périodes de l'année. Après cette petite vidéo, je vais retourner faire quelques photos. Ça vaut vraiment le coup là. Allez. Et après, il n'y aura plus qu'à redescendre. Il y a encore quelques kilomètres jusqu'à la voiture. Avec une pente assez vertigineuse là sur les pentes de cette montagne. En fait, il y a partout des ouvertures comme ça le long de cette montagne. On le voit après avoir exploré cette galerie, qu'il y avait toute une ligne de galeries avec des entrées. Et les Allemands avaient fait ces galeries qui communiquaient les unes avec les autres sur toute la longueur. Là, on voit que ça s'est effondré, mais il y avait un trou là. Ici, ça continue. À chaque fois, des entrées à environ 15 mètres d'intervalle. Et les Français l'avaient bien compris, puisque sur leur carte, on va le voir là, parce que je triche un peu là avec ma carte d'époque qui est géocalisée, là, voilà, avec le GPS. Moi, je suis le petit point rouge. Et on voit plus bas là, tout ça, les entrées de galeries. Les Français avaient repéré ça en espionnage, hein,
Ils envoyaient des avions et puis ils pouvaient comme ça établir des cartes assez précises. Et ils avaient bien compris que chaque entrée correspondait à un tunnel qui se rejoignait les uns les autres. Là encore, un reste de crapouillot. Je dis le secteur, il est vraiment truffé. Ici, là, on est tout près du sommet. D'ailleurs, on le voit, ça s'éclaircit là-bas. Et il y a de plus en plus de trous d'obus aussi. Donc les soldats qui profitaient de ces galeries pour se réfugier lors des bombardements. Là, on voit bien la tranchée qui reste. On est toujours du côté allemand. Et c'est assez fou de s'imaginer que là, en 1915, ça a bombardé très sévèrement. Et alors, un peu plus tard, pendant la Première Guerre mondiale, on a un personnage très connu qui a marqué l'histoire lors de la Deuxième Guerre mondiale, qui est le général Rommel, le maréchal Rommel, qui était ici, sur ce champ de bataille. Ah, ici, il y a énormément de ferrailles aussi. Ah, il y a eu de la fouille. On voit des piquets, là il y a une pelle. Une pelle, des cerclages pour les conduits de fumée. Ouais, d'énormes cratères. Et là, c'est sûrement une tranchée juste là derrière. Après, les lignes françaises étaient vraiment toutes proches, donc forcément, ici, ça cognait dur. C'est vraiment un paysage apocalyptique, là. C'est quand même un des champs de bataille les plus difficiles à explorer, parce que c'est très en pente. Hein. C'est, je pense, le plus en pente que j'ai fait. Ici encore, cette zone, ça va, mais au niveau des Minenwerfer, on a des pentes, on se croirait sur un toit, là, sur 45 degrés. Ah, là, on a de la ferraille, là-bas. Ça, c'est un rouleau de barbelés d'époque. J'en ai croisé quelques-uns, déjà, depuis tout à l'heure. Il est encore enroulé, il n'a pas encore servi. Là, on a encore de la ferraille là-bas. Ouh, ouais. Ah, celui-là, il est vilain. Hein. Ouais. Donc ça c'était tiré par les Allemands avec des genres de petits mortiers comme ça. Là on avait les ailettes, là elles sont cassées. Et là on voit putain, que c'est creux maintenant là. Ah, c'est impressionnant de voir ça. Je vais pas le toucher mais vous voyez. La taille de ma main, la taille de la grenade, enfin de ce petit obus, très dangereux, on va pas le manipuler, et là, je peux le signaler, quand je vais rentrer là, je vais le prendre en photo, et puis je vais prendre les coordonnées GPS, c'est une belle pièce, hein. C'est... Ici, encore un morceau d'obus là de Minenwerfer, ça craint rien, c'est creux. Là on voit que ça a éclaté au bout. Hein. Oula, il y a encore du lourd là. Ouais, ça c'est du très gros calibre.
Il est cassé, ouais, c'est un petit morceau. Ça craint rien, ça. Un petit morceau. Un gros morceau. Et on imagine la taille de l'obus, c'est incroyable. Alors ça, ça doit être du 220 ou du 280. Oh, ça pèse. On a une inscription, hein, j'arrive pas bien à voir. Et c'est un obus français, ça, hein, je pense. Tu vois l'épaisseur du truc. Incroyable. Ouais, il doit bien faire une quinzaine de kilos, hein, l'éclat là. Donc ça, ça fait un cratère. Ouais, peut-être pas celui-là, mais ça a dû claquer dur là dans le coin. Il y en a des morceaux qui se sont retrouvés un peu partout. Alors c'est peut-être juste quelqu'un qui l'a sorti là, en fouillant au détecteur. Et c'est une belle pièce. Hein, c'est... Comme quoi, il faut faire attention où on met les pieds quand on se balade sur ces champs de bataille. Voilà, moi je vais prendre en photo tout ça. Et puis je vais en profiter pour envoyer les coordonnées aux démineurs. Puisque ça c'est quand même une pièce qui est pas très loin des sentiers. Maintenant je suis bien redescendu du front. Donc c'est pas très loin des sentiers, accessible au public. Voilà, bah, je vous dis à bientôt. J'espère que ça vous a plu cette petite exploration. Allez, bye, ciao.